Eric et bonjour à tous. La terre, la pierre et vous. Ça, c'est chaque jeudi, la terre, la pierre et vous. On parle de notre planète, on parle écologie. Et aujourd'hui, on parle d'une journée mondiale. C'est la journée mondiale du nettoyage de la planète, Philippe. Exactement, oui. Alors, c'est demain, vendredi 21 septembre. C'est le World Cleanup Day, un mouvement citoyen pour lutter contre les déchets abandonnés. Des opérations de... Des gens qui prennent des sacs poubelles et qui partent en groupe ramasser Exactement. Des déchets sur les bords des routes et tout, c'est voilà, ça? Voilà, des opérations ouais. comme vous venez de les décrire. Il y en a pendant 4 jours. Ça a commencé dès hier et ça va durer jusqu'à dimanche. Alors, petits et grands, entreprises, associations, écoles, tout le monde peut participer. Et justement, eh ben, on retrouve Léa Dupérin de la rédac Radio Scoop. Alors, vous allez suivre pour la Terre, la Pierre et vous un défi cet après-midi. Bonjour Léa. Et oui, bonjour à tous. Je suis en ce moment même au pied d'une entreprise dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon. Cette entreprise participe ce midi à une grande collecte de déchets. Le principe est simple. Sur la pause déjeuner, l'ensemble des salariés qui se sont inscrits vont nettoyer les rues aux alentours. Ça va durer environ 2 heures avec un accompagnateur qui sera présent. Et puis finalement, c'est un événement qui permet aussi de créer du lien entre les salariés. Des événements comme celui-là, il va y en avoir plein d'autres tout au long de cette semaine. Et c'est tant mieux pour la planète. Ouais, merci Léa. Et depuis 2018, le World Cleanup Day en France, c'est 180 000 participants par édition, plus de 6300 tonnes de déchets ramassés et plus de 23 000 ramassages organisés. Il faut savoir que chaque année, 400 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites dans le monde. Et la plupart du temps, ce sont des plastiques qui sont jetés après seulement quelques minutes d'utilisation. Et puis tiens, nouveauté cette année, il y a un grand concours de bande dessinée. Vous pouvez créer une histoire en BD autour du nettoyage de la planète. Vous retrouvez tous les détails sur worldcleanupday.fr. Merci Philippe, c'est cool. Regardez cette bouteille plastique. Bam, je la jette par la fenêtre. Oui, c'est ça. Terminé. Je ne vous crois pas. Vous avez une gourde. De toute façon, vous n'avez pas de bouteille plastique. Mais bien évidemment, vous me connaissez. Eh oui. Alors... Merci Philippe, la Terre, la Pierre et vous en replay dès maintenant sur radioscope.com et on se retrouve jeudi prochain Philippe. À bientôt, salut. À midi, le journal avec Noémie Babylon et niveau tube, je vous cale Santa, recommence-moi et Outcast maintenant, on adore, voici.